ensemble, ça va. Je suis arrivée lundi et donc je suis bien installée. J'ai reconnu un petit peu le parcours et ça m'a fait bien plaisir parce que j'étais venue il y a 4 ans déjà et j'étais heureuse de revenir ici. Ouais. Comment vous appelez-vous? Catherine Ouzo. Vous passez une bonne soirée. Un bon séjour, oui. Ouais. Quel âge avez-vous? Alors, j'ai 49 ans et demi. Je vais avoir 50 à la fin de l'année. Donc, je vais courir en V3, vétéran 3. Quelle est votre profession? Je suis dans la vie, je suis même nageur, éducateur sportif. Et il y a-t-il quelqu'un qui vous poussez, qui vous inspire pour terminer le Ironman pendant la course? Il y a des personnes qui m'aident, oui, un peu. Et pour m'encourager, il y a de la famille, un peu d'un ami qui fait aussi l'Ironman. Comment l'entraînement est-il influence votre routine, par exemple votre travail où vous étudiez ou encore vos autres activités? C'est très variable. Donc, comme je travaille, donc je ne peux pas m'entraîner et me reposer après pour que l'entraînement soit profitable. Donc, je suis obligée de calculer. Donc, il y a des périodes en hiver quand j'arrive à 10 heures par semaine. 10 heures par semaine, c'est bien en hiver. Et j'essaye de prendre des congés pendant l'année pour faire un gros volume. Et donc, au mois de février, j'ai fait 2 semaines à 35 heures. Donc, c'est beaucoup d'un coup par rapport à mes habitudes, mais c'est ce qu'il faut faire. Il en faut des gros blocs, comme on dit, qui consolident l'entraînement, en essayant de ne pas se faire mal. Avez-vous dû vous repérer mentalement aussi? Mentalement. Entraîneur. Entraîneur mental. Je veux dire que je connais très bien une psychologue, parce qu'elle fait aussi les Ironman. Donc, quand elle me voit un petit peu stressée ou qu'elle voit un comportement qui n'est pas très adapté, je me pose des questions, elle essaye de m'aider. Donc, je ne vais pas dire que je fais un gros travail de préparation mentale, mais je n'oublie pas quand même. Le côté préparation mentale est très important pour réussir un Ironman et donc j'en tiens compte. Qu'est-ce qui demande le plus d'efforts, les défis physiques ou mentaux? Sur les 3 disciplines, mon point faible, bien que je sois même nageur, c'est quand même la natation. Après, ça dépend. Des fois, ça peut être le vélo, des fois, ça peut être la course à pied. Là où j'essaye de faire le plus d'efforts, c'est quand même le vélo. Surtout pour cet Ironman, comme en France, on était encore en hiver, donc ça m'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de travail sur home trainer, c'est-à-dire un vélo à l'intérieur. C'est ce qui a été le plus pénible, le plus difficile à préparer. Merci beaucoup, Mickey. Merci. D'accord, Emma. Avez-vous envisagé de renoncer pendant l'entraînement? Là, pour cet Ironman pour l'Afrique du Sud, non, mais ça m'est arrivé pour d'autres Ironman d'envisager, à cause du travail, de ne pas pouvoir m'entraîner. Très occupée. De ne pas être encouragée, au contraire, freinée par le travail. Oui. Là, non. Non, Là, non. J'étais vraiment décidée à venir, à revenir et non, j'ai fait tout. D'accord, merci. Et quelle est l'étape dans laquelle vous excellez?
la discipline. Oui, discipline. Ça dépend. Ça peut être le vélo, mais cette année, je me sens mieux en course à pied. D'accord. Cette année, je pense que je peux faire quelque chose de très bien en course à pied. D'accord, merci. Et quelle est l'importance de la nutrition pour l'Ironman? Ouais, c'est très très important. Ça fait 20 ans que je fais des Ironman, mais là je me rends compte de plus en plus que c'est une grande partie de la performance. Et donc pendant l'année, j'essaye de faire plus ou moins attention, bien que je sois gourmande. Mais à l'approche de la compétition et pendant la compétition, il faut beaucoup de rigueur. Et je veux dire, il y a certaines épreuves qui dépendent beaucoup, beaucoup de la nutrition. Ah, d'accord. Si on ne s'alimente pas régulièrement, on peut arriver à ne pas finir. Ah, d'accord. Ouais. Estimez-vous que le départ différait pour des participants féminins cette année, vous désavantages? Ah, il y a un départ pour le féminine? Oui. Ah ouais, vous me l'apprenez. Ah, je suis vraiment contente. Ah non, non, c'est... Oui, ok. Ah oui, oui, parce que la foule, c'est un gros problème. Hein. Ah. Ça fait vraiment peur, ça procure beaucoup de stress. Oui. Et donc, de savoir qu'on part quand même en nombre limité, non, non, c'est un grand... Très bonne nouvelle. Hein. Ah, oui. D'accord. Très bonne nouvelle. Même s'il faut se battre quand même pour bien se placer et que ce n'est pas beaucoup mon point fort. J'arrive pas à partir vite, mais ça va me rassurer d'être en nombre plus limité. Ah, d'accord. Ok, merci. Et pensez-vous qu'il est nécessaire d'avoir un gagnant féminin et masculin séparé pour la compétition? Séparé, mais le même jour, la même épreuve. Je pense pour le gagnant. C'est peut-être deux compétitions. Un pour féminin et un pour masculin. Non, moi je préfère. Ça peut être comme en cyclisme, le Tour de France. On risquerait. Enfin. Peut-être moins ici qu'en France où c'est plutôt l'esprit plutôt ancien. Les médias auraient peut-être tendance à moins parler des performances des féminines. J'aurais un petit peu peur de ça. Je pense qu'il vaut mieux faire une course, courir en même temps, le même jour. Hein. Ok, d'accord. Ouais. Et comment changerez-vous l'Ironman pour passer à une compétition plus paritaire? Je pense que ça l'est déjà, mais peut-être pas trop en France, justement. Ah, d'accord. Oui, en France, les médias ont toujours tendance à parler plus des hommes qui font forcément des meilleures performances. Mais les femmes progressent plus vite que les hommes au fil des années. Quand vous pensez à l'Afrique du Sud, que vous entendez-vous avoir et quoi voudrez-vous voir dans l'Afrique du Sud? Dans l'Afrique du Sud, oui. Un petit peu. Bon, en premier, peut-être on peut penser au safari. Oui, oui, safari. Et le côté sauvage, un peu des rivages, l'océan, comme le triathlon cette année y va justement. Le côté sauvage de la petite boucle là-bas au bout, là. Oui, oui. Et puis tous les chemins empruntés. Le parcours vélo, je pense, se donne une bonne idée de tout le paysage de. Le voyage. Enfin, pas tout, évidemment, puisque on ne va pas voir les animaux, tout ça. Mais... Oui, oui. Et puis après, je savais déjà à quoi m'attendre puisque je suis venue il y a 4 ans. D'accord. Donc j'ai déjà visité jusqu'au Drakensberg et tout ça. Oui, c'est beaucoup. Ah, j'ai adoré. Ah, d'accord, merci. J'ai vraiment beaucoup aimé. Well,
Merci beaucoup pour votre aide et bonne soirée et bonne chance pour la course. Merci beaucoup. J'espère bien avoir répondu. Ah, et merci beaucoup. Merci.